Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous savez, depuis peu, j'ai commencé la licence G.I. Joe chez Prime One Studio. Je vous ai montré Serpentor il y a peu de temps. Et forcément, qui dit Serpentor, il me fallait le Cobra Commander, hein, donc le chef ultime de l'armée de Cobra. J'ai trouvé cette statue sur le Bon Coin il y a peu de temps. C'est une statue qu'on trouve dans les alentours de 400 euros actuellement sur eBay ou ce genre de choses. Et la personne la vendait dans les 200 euros. Et donc j'ai négocié à 200 euros cette statue premium format ou un quart du Cobra Commander. Et j'étais très très content de pouvoir l'avoir à un prix super intéressant. Je l'ai reçu il y a peu de temps et je vais vous en faire donc la vidéo unboxing. C'est une statue qui date de quelques années. Je crois qu'elle est sortie en 2014 ou 2015 si je ne dis pas de bêtises. Donc elle a 3-4 ans facilement. Mais rien n'enlève la beauté de la statue, malgré que c'est une ancienne pièce. Forcément, le socle ne va pas être du Prime One, ce genre de choses, ça va être quelque chose d'assez simple, mais elle a une prestance et elle a quelque chose de très 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 intéressant. Le visuel, eh bien justement, on a la statue du Cobra Commander avec son casque en question. Le Cobra Commander, il a deux casques. Il a ce casque en question avec la vitre un petit peu chromée devant, et puis il y avait la version exclusive où il avait l'espèce de capuche, un peu Ku Klux Klan, mais sans la pointe, l'espèce de capuche, on va dire plus un drapé sur le visage. Je vous montre la version exclusive, juste une bonne petite photo. Voilà, comme ça vous voyez c'était quoi la version exclue. Ceci c'est la régulière. Au niveau du visuel, on a donc la statue G.I. Joe Cobra Commander Premium Format. Sur le côté, le logo du Cobra. Sur l'arrière, même chose, hein, du Cobra. Au niveau de l'édition, celle-ci, elle était tirée à 750 exemplaires et moi c'est la numéro 309. Donc quelque chose d'assez simple. On passe tout de suite au montage. Montage de la statue, et comme toujours pour monter une statue, qu'est-ce qu'il faut en premier? Le socle. Alors le socle, quelque chose de super simple, c'est bêtement le logo du Cobra avec un PEX pour l'attacher. Sur l'arrière, on retrouve Sideshow Collectibles G.I. Joe Cobra Commander Premium Format 309 sur 750 sur licence Hasbro. Donc un socle assez simple comparé à du Prime One, ce genre de choses par exemple. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est une statue qui a quelques années. Mais, ma foi, petit socle assez efficace. Ensuite vient le body. Alors le body, comme toutes les premium formats, je vous ai déjà expliqué, hein, c'est l'avantage d'avoir sur les premium formats du tissu. Donc là, tout le costume est en tissu. J'adore vraiment les lanières, etc. Rien n'est en résine, à part le corps forcément à l'intérieur et les bottes. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Moi, je suis fan, venant du monde du 1/6e, eh bien, il est normal que moi, j'adore le tissu pour les vrais vêtements et pas avoir tout en résine. Mais bon, ça, ma foi, chacun... Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, comme on dit toujours. Donc voilà le costume avec le logo du Cobra. Donc c'est vraiment le costume qu'il porte dans le dessin animé. Il est magnifique. On va bouger un petit peu ça par ici. Voilà. Ensuite, on va nous mettre... Enfin, on va mettre ce qui suit. On met la cape. Alors la cape, elle vient se mettre avec des aimants. Juste ici devant et ici. Hop, voilà. Il faut par contre après bien la ranger pour bien qu'elle se mette. Avec les logos bien disponibles. Posé. Sur le bras droit, vous avez deux bras. Le premier, soit celui-ci. Pardon. Bon, on peut mettre comme ça, mais non, c'est nul. Voilà, avec l'épée. Donc, épée qui est en plastique, hein, pas de métal là-dessus. Épée avec, donc dans la main droite, l'épée avec le gant. Ou alors, vous avez le bras avec le cobra qui caractérise le plus le personnage en question. Donc, un superbe sceptre. Hein. Moi, je trouve ça super joli. Et c'est ce que je trouve le plus adapté au personnage en question. Dans la main... gauche, voilà. Dans la main gauche, on a la possibilité donc de mettre celui-ci. Alors moi, j'aime bien le mettre au-dessus de la cape. C'est un certain mettre la cape par devant et mettre le truc comme ceci. Bon, je trouve ça un peu con. Moi, j'aime bien mettre en mode traîtrise puisque c'est ce qu'est vraiment le personnage. C'est un vrai traître. Hop, comme ceci, avec la manche bien mise à l'intérieur, dissimulé dans le dos, son gun prêt à vous tirer dessus sans que vous en rendiez compte. C'est ce que je trouve le plus joli pour cette figurine en question. Alors hop, on arrange un petit peu tout ça. Vous voyez, avec le gun dans le dos comme ça, ça donne super super bien. Vient terminer le casque, donc avec la visière chromée. On arrange bien le col tout autour pour mettre ça bien naturellement. Et la statue est complètement montée. Regardez-moi le charisme de cette statue de fou. Je monte un petit peu la caméra et voilà. Regardez-moi le charisme de cette statue, elle est démoniaque. Franchement, j'adore. Après, mon regret, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la review de Serpentor, c'est de ne pas avoir eu cette statue faite par Prime One Studio. Pourquoi? Parce que ben, Prime m'aurait fait un trône de malade, si ça tombe, un gros trône de Cobra. Un petit peu comme Sideshow l'avait fait sur un petit diorama ou un 1/6e. Je vous mets une photo, tiens, du diorama de chez Sideshow. Voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ben, Sideshow avait fait un superbe diorama, petite taille, avec le trône. J'aurais vraiment aimé que Prime me fasse ce genre de choses-là en question. Mais
ça n'existera pas puisque la licence de chez G.I. Joe est terminée chez Pramone Studio avec les 5 personnages que je vous ai cités lors de la review de Serpentor. Mais cette sideshow n'a rien de déconnant, et au prix où je l'ai payé, franchement, j'en suis super, super, super content. Elle va compléter les 2 vilains, et puis j'aurai donc 3 vilains et un bon. Je vais avoir donc celle-ci, le Serpentor, Storm Shadow, qui est juste là, dont je vous ferai la vidéo très prochainement. Et puis, il y aura Snake Eyes également, pour compléter tout ça. Et j'espère peut-être, on verra en fonction des finances, me prendre Destro aussi, pour avoir vraiment les 4 méchants principaux de cette licence G.I. Joe. Voilà les amis, on passe tout de suite au visuel de près. Voilà, conclusion sur cette magnifique statue de chez Sideshow. Hein, franchement, c'est une ancienne pièce, comme je vous ai dit, qui a quelques années, mais rien n'est à côté. Voilà, le paint est propre, le costume est vraiment bien taillé, super joli. Le socle est, ma foi, simple, mais je vous dis,
est strictement suffisant. Voilà. J'avais dans l'idée de faire un gros socle et de demander à un ami Diorameur de me faire un socle un peu plus grand avec pierre, ce genre de choses, ou autre tissu, autre. Mais au final, je vais vraiment manquer de place à un moment donné. Donc, ça aurait été un socle qui faisait 40 par 50. Donc, j'ai laissé tomber l'idée de vouloir faire un diorama pour celui-là et je garde le socle simple de la version Sideshow. Ça me fait gagner de la place. Je vous dis, j'ai encore deux statues de G.I. Joe à mettre l'une à côté de l'autre et je commence à manquer de place tout doucement. Donc, autant choisir les choses importantes et de se consacrer sur l'essentiel. Donc personnellement, magnifique, comme je vous ai dit, hein, possibilité de swap entre les deux mains, l'une ou l'autre, on choisit. Moi, c'est celle-ci que je préfère. Après, chacun les goûts et les couleurs, vous savez comment ça fonctionne. C'est au feeling et au goût. Voilà les amis, on la trouve encore, voilà, malgré les années, très très peu d'exemplaires, mais on la trouve encore disponible, mais à des tarifs, je vous dis 400 €, ça m'aurait fait chier de mettre 400 € pour celle-ci. J'ai vraiment profité de la bonne affaire de l'avoir à 200 €. Je compte, à mon avis, prochainement, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes à bon prix, de prendre peut-être aussi la Baroness. Il y a Baroness de chez Sideshow qui est avec le même socle, etc. et qui est super jolie également. Mais le visage, par contre, c'est un visage féminin et Sideshow, dans le temps, les visages féminins, c'était pas vraiment ce qu'il faisait de mieux. Donc, si je la prends, je ferai repeindre le visage complètement par mon ami Mark Simpson qui est un peintre de talent en Angleterre. Donc, si j'arrive à la voir dans les 200 € comme je vois au prix auquel elle se vend actuellement, je pense que j'investirai 100 € dans le paint complet du visage pour avoir quelque chose de beaucoup plus travaillé et beaucoup plus détaillé. C'est tout pour celle-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir une ancienne statue et puis que ça vous a replongé dans votre enfance pour les gens qui ont 40 ans, pour les personnes qui ont 40 ans comme moi. Donc, G.I. Joe, c'est notre enfance. J'espère que ça vous a plu. Et nous, les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!